Je vous emmène avec moi à Barcelone, destination chère à mon cœur. J'ai toujours aimé voyager. J'aime partir en voiture, en avion, mais aussi en train. Ah, le train! Eh bien, grâce au Covid et au fait qu'il était très contraignant de prendre l'avion, j'ai retrouvé le bonheur de prendre le train. Prendre le train, c'est aussi prendre le temps d'apprécier les différents paysages que l'on traverse, admirer des panoramas étonnants. Je me laisse surprendre par des horizons. Nous longeons des villes, des étendues d'eau, des villages, des plaines sans personne, des paysages sauvages, des gares plus ou moins fréquentées, une rivière presque asséchée, un pont, de vastes étendues sans personne. Nous approchons de notre destination au rythme du TGV qui file à plus de 200 km/h. Dans le train, j'aime lire, écouter de la musique, discuter avec un voyageur et surtout ne rien faire. Juste être là, assise dans le train, penser, rêver, imaginer. Imaginez. Through the fields of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer. Meadows of our youth. 107 days. We're calling it backwards. A dream. Je porte une robe longue, une paire de sandales compensées et ce joli sac en jean délavé acheté il y a quelques années à Barcelone.
Prenez le temps de vous perdre à Barcelone. Certains trouvent Barcelone trop bruyante, trop agitée. Faites l'effort de vous éloigner des zones touristiques. Allez du côté des quartiers tels que Gracia et Rample, où vous trouverez des boutiques, des restaurants, des petits bars authentiques fréquentés par des locaux. Pour éviter l'affluence du tourisme de masse, je vous conseille de partir à Barcelone au printemps ou à l'automne. Set me free, come on. Après avoir passé la journée dehors essentiellement en bord de mer, nous rentrons, nous poser et profitons de notre terrasse à l'hôtel. J'en profite pour boire une infusion à la camomille avant de ressortir pour dîner.